Et c'est parti, c'est l'après-match. Le Racing Club de Strasbourg vient de s'incliner malheureusement 2-0 ce soir. Troisième journée du championnat de Ligue 1, c'était face à l'Olympique Lyonnais. On a fait un petit changement dans l'équipe aussi, c'est Maxime Brenner qui a cédé sa place. On retrouve Julien, salut Julien. Salut Dio, salut tout le monde. Ça fait longtemps ? Ça fait longtemps, ouais, depuis le match de Bordeaux. Ouais, ça va ? Ouais, ça va. Après un live un peu compliqué à faire ce soir, mais ça va. Un peu compliqué par à cause de la défaite. À cause de la défaite, ouais, c'est sûr que la défaite, c'est toujours un peu moins drôle. On retrouve Seb, on t'avait en première mi-temps. Ça va, Seb ? Ça va. On aurait préféré gagner, on aurait préféré boire un coup, mais... on peut boire un coup quand même. On peut boire un coup quand même. Mais c'est vrai qu'on sent que l'ambiance est retombée. Messieurs, je vais vous donner une stat. On ne pouvait pas gagner ce soir. C'était impossible. Vous savez pas pourquoi ? Bah, c'est simple. La saison dernière, Dimitri Lénard a manqué 5 matchs. 5 fois, le Racing s'est incliné. Et 5 fois, le Racing n'a pas marqué. Voilà. Seb, c'est une statistique qui se confirme. Une statistique qui, j'espère... arrivera aux oreilles de nos dirigeants du Racing et que cette prolongation arrive le plus vite possible. Mathieu ? Ouais, je rejoins Seb, si ça peut donner des idées au Racing Club de Strasbourg quant au cas Dimitri Lienard. En tout cas, on espère qu'il va pouvoir jouer la semaine prochaine et qu'on puisse prendre 3 points contre les Nantais. Est-ce qu'on peut revenir sur ce match aussi, Maxime, de ton côté ? Qu'est-ce que tu gardes de cette défaite 2-0 du Racing Club de Strasbourg ? Pas grand-chose, heureusement. Non, mais il faut le dire, c'était pas non plus un match exceptionnel. Ça a été un match où ça a beaucoup bataillé dans le milieu de terrain pendant la première mi-temps. Et le Racing Club de Strasbourg s'est fait avoir sur une action bien construite, mais un bel appel de Terrier. Et sur un but en contre, voilà. C'est logique, ma foi. On savait que le Racing Club de Strasbourg avait très peu de chances de s'imposer et même de ramener un point de Lyon, donc on n'a pas été surpris par la physionomie du match et par le résultat au final. On a un commentaire, Michael Hachelman qui nous dit « Cassie dehors, il n'a pas le niveau ». Julien, d'accord ? Non, je ne suis pas forcément d'accord. Pas sûr, enfin, sur ce match, c'est sûr qu'il est, pour moi, il était à l'image de l'équipe, ça a pas été, il n'a pas été transcendant. Mais de là à le mettre dehors, et non, je ne suis pas d'accord. Pour bon match, Maxime. Ouais, il fait un très bon match, Cassie. Effectivement, il a peut-être une petite absence sur le deuxième, sur le but ouais. En contre. Et encore, c'est forcément, hein. Tout le bloc est déstabilisé sur le contre, puisqu'en plus, tu as Mitrovic, par exemple, qui joue le corner. Donc forcément, tu as tout le terrain à remonter. Mais c'est un joueur, Cassie, pour revenir sur Cassie, c'est un joueur à son âge qui montre une maturité exceptionnelle. Et que ce soit dans le jeu offensif, dans la relance ou dans son placement, on l'a dit pendant le live. Non, Cassie, très très bon ce soir. Seb, Maxime disait que il n'était pas très emballé par le match. Est-ce que j'ai le droit de dire qu'on avait eu une belle première période et une deuxième période très compliquée pour Racing Club de Strasbourg ? Bah, on a eu surtout 25 bonnes premières minutes. On va même diminuer, on va pas parler de demi-temps, on va parler de 25 bonnes premières minutes où le plan, je pense qu'on va revenir dans l'after, le plan à Thierry Loret a très bien marché et on peut que féliciter ça, c'est par la suite que ça s'est compliqué. Moi, Cassie, à la base, quand on parlait, on s'est revenir sur les flops, les tops, je l'avais mis, mais pas parce qu'il a fait un mauvais match, parce qu'à un moment donné, il s'est perdu dans ce système. Entre Lala et Cassie, oui, ils se sont perdus. Et c'est plus le système qui n'a plus fonctionné où ça s'est déréglé et on prend ce premier but à la 40e minute. Oui, Anthony Cassie, qu'on change beaucoup de position entre le match de la semaine dernière et le match d'aujourd'hui, il s'est retrouvé dans des positions très différentes. Et je pense qu'à un moment donné, pour les repères du joueur sur le terrain, ça a été un petit peu compliqué de savoir où il était, de se situer. Mais par contre, dans l'ensemble, je pense que le commentaire est un petit peu sévère parce qu'on ne peut pas dire qu'il a fait un mauvais match ou un plus mauvais match que d'autres Strasbourgeois sur le terrain ce soir. Est-ce qu'il y a un joueur qui sort du lot de par sa qualité ce soir, messieurs ? Martin, jusqu'au deuxième but des Lyonnais, où le collectif strasbourgeois s'est éteint et Martin, du coup, avec. Mais Martin était clairement... C'est le 4-4-2 aussi, d'ailleurs, hein, qui a peut-être changé un peu les choses, parce qu'on n'a pas vu Jonas Martin dans le même rôle. Maxime, un joueur Oui, non, mais Martin... bien sûr, Martin, c'est le meilleur Strasbourgeois depuis le début de la saison. Il n'y a aucune contestation à avoir. Bon, ça chamboulerait certainement le vestiaire, mais on a le droit de se poser la question s'il n'aurait pas été mérité au vu de ce début de saison qu'il ait le brassard de capitaine. C'est vrai que c'est Mitrovic, hein, capitaine. Alors Mitrovic aussi est beaucoup cité hein, par les supporters du Racing, hein, qui a fait un gros match, le capitaine serbe. Seb, toi qui as vu la deuxième période de manière un peu plus assidue, cette deuxième période,
Ben, de toute façon, je pense qu'on va revenir sur tout ça, les tops, les flops, etc. Moi, je pense que Mitrovic, il peut avoir le brassard de capitaine parce que c'est un vrai leader. C'est le mec qui replace les joueurs. Martin, il est fort dans le jeu. Par rapport à l'année dernière, il a vraiment un niveau, vraiment un cran au-dessus. C'est un vrai meneur de jeu. Mais le leader, on va dire, psychologique de l'équipe, du vestiaire, c'est Mitrovic. Ça, je sais pas, on peut pas le dire aujourd'hui. Ce qu'on voit sur le terrain, on n'est pas dans le groupe pour savoir ça. On n'est pas dans le groupe, mais on voit quand même sur le terrain le mec qui est droit, qui est droit. Je suis pas d'accord. Celui qui va voir l'arbitre pour discuter, c'est Jonas Martin. Hein. C'est pas Mitrovic. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème de langue du côté du Serbe, mais aujourd'hui, celui qui semble avoir un rôle de capitaine sur le terrain, c'est Martin. Alors après, on va pas non plus remettre tout en question, parce que Mitrovic aussi, je vois pas pourquoi tu lui enlèveras le brassard ce soir. De loin pas. Je dis simplement qu'aujourd'hui, au vu du début de saison de Martin, de son match, encore une fois, à Lyon, oui, c'était vraiment un test pour lui aussi. Il s'en est très bien sorti. Et comme il en était question éventuellement qu'il ait le brassard en début de saison, je rebondis sur cette question-là, Monsieur Young. Après, ça s'est joué entre les deux aussi pendant la préparation. Hein. C'était soit Mitrovic, soit c'était Jonas Martin avec le brassard de capitaine Julien. Et puis Mitrovic s'était blessé aussi une bonne partie de la pré-saison, donc c'est Martin qui a récupéré le brassard. Mais je pense que là, pour l'instant, c'est Mitrovic qui le porte. Il va le porter encore, je pense, quelques matchs. Mathieu, et cette première de Lamine Koné, parce que c'était sa première aussi. Hein. Ouais, Lamine Koné, il n'a pas fait un mauvais match, il n'a pas fait un match transcendant non plus. Je pense qu'il va falloir plus de phases de jeu, plus de temps de jeu pour pouvoir juger réellement les prestations du joueur. Il ne m'a pas fait mauvaise impression. Mais sur ce match-là, je ne peux pas non plus dire qu'il m'a fait une impression exceptionnelle. On a un commentaire très intéressant de Guillaume qui nous dit que devant, on avait un Nuno da Costa esselé et que si on avait eu n'importe quel attaquant, Cristiano Ronaldo ou d'autres attaquants dans le même registre, s'il n'a pas d'appui derrière, c'est compliqué d'exister. Oui, je suis assez d'accord. On a tous fait la réflexion. C'est que les 25 premières minutes, le seul ballon qui a été correct pour da Costa, il provoque un jaune. Derrière, il n'y a plus de ballon. Donc ça devient difficile pour un avant central de briller. Et on s'était déjà fait la réflexion de l'année dernière. Beaucoup ont décrié Saadi, mais quand t'as pas de ballon, tu peux pas marquer. Non, mais le problème da Costa, c'est pas le problème du joueur. Ce n'est pas un joueur qui a le profil pour jouer en attaquant seul et dans un dispositif en 4-2-3-1. On l'a bien vu lorsqu'il y a eu le changement et l'entrée d'Ajorc. Da Costa a été mis sur le côté droit et il a montré bien plus de choses en 10 minutes que sur les 65 premières minutes où il était tout seul. Donc c'est pas un problème de joueur, c'est un problème de système, avec Da Costa en pointe. On va revenir dessus sur les systèmes d'ailleurs. C'est vrai que Da Costa a été un peu plus mis en lumière lorsqu'il y a eu ce changement avec Ludovic Ajorc. Par contre, lors des 20 premières minutes, on arrive quand même, malgré qu'on ait Da Costa qui soit esselé devant, à se créer deux grosses occasions. Et on peut avoir le regret de ne pas avoir mis ces occasions au fond, puisque le Racing avait fait une bonne entame de match, c'était solide contre les Lyonnais. Oui. On aurait pu mettre à mal les Lyonnais si on avait su ouvrir le score contre les Dynamo. Oui. Et d'accord, les premières, et notamment la première, la frappe totalement ratée de Lala, vient de Da Costa sur le côté, et pas dans l'axe. Peut-être que c'est le reste de l'animation des Strasbourgeois qui n'a pas pu s'exprimer pour permettre à Nuno Da Costa de permuter sur un côté ou l'autre. Peut-être que l'ensemble du bloc Strasbourgeois avait du mal à monter. En l'absence de joueurs jouant en 18, comme peut l'être Martin quand il joue un peu plus haut, forcément, t'as pas de lien avec ton attaquant de pointe. Et c'est normal. Lionel Carroll. Pareil. Après, je pense que c'est pas un match où ça va être difficile de juger. Il fait un très bon match. Enfin, pour moi, il fait un bon match. Pas un très bon, mais à l'image de toute l'équipe, quoi, en fin de compte. Hein. Ils font un bon match, une bonne entame. Et puis, pour moi, il y a cette bascule entre la 25e et la 30e minute où le système qui marchait très bien, on l'a vanté au début de match, il s'est déréglé. Il s'est complètement déréglé. Et pour moi, ça n'a plus marché, tout simplement. Première titularisation de Lionel Carroll avec le Racing Club de Strasbourg. Julien, t'en penses quoi ? C'est difficile de tirer des enseignements ce soir. Comme dit, c'est son premier match. Je pense qu'il faudra encore un peu plus de temps, comme Koné, pour vraiment juger de ses prestations. Après, il faut aussi savoir que c'est lui qui a fait la seule frappe cadrée côté strasbourgeois. Dans le jeu. Dans le jeu, oui, qui a obligé Lopez à sortir en corner. Donc voilà, je pense qu'il faut encore un peu de temps pour juger.
Monsieur Michael Hachelman, pour lui, la deuxième mi-temps avec les joueurs de l'effectif l'année dernière, on aurait gagné parce qu'aujourd'hui, pour lui, les joueurs n'ont pas tout donné sur la pelouse. Non, mais l'année dernière, on prend 4 pions, hein, on prend 4-0 hein, dans la valise. Dans 3 en deuxième mi-temps. Voilà, donc. Oui, il y avait 1-0, il y avait le même score à la pause l'année dernière. Non, 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 c'est un argument qui n'est pas forcément recevable. Pourquoi ? Parce que, déjà, comparé. Deux matchs de deux saisons différentes, ça n'a aucun sens déjà. Voilà, c'est comme comparer et dire que le riz n'a pas le même goût que le pâte. Bah oui, forcément. C'est comme ça. Mais, non, mais c'est vrai. Art en cuisine, hein, monsieur. Ça manque c'est de comme pain. Ça. Et non, je voilà, l'année dernière, on en prend 4. On aurait très bien pu sombrer. Le Racing aurait pu sombrer après le deuxième but. Hein. On est à l'heure de jeu quasiment. On y a cru d'ailleurs. Non, et finalement, ils tiennent bon. Et puis même, ils reprennent le ballon, la possession du ballon. Donc non, cette équipe, elle se fait avoir sur des erreurs individuelles et un contre. Il n'y a rien de dramatique. Et juste pour revenir sur Carroll, en fait, je vous défie quiconque de mettre un point négatif sur Carroll. Il fait rien de mauvais ce soir. Moi, je voudrais revenir sur le commentaire. L'année dernière, fin de saison, on réclame des transferts. En voulez-vous, en voilà. Parce que sinon, cette équipe ne pourra jamais se maintenir. Et puis là, on perd ce soir 2-0 à Lyon. Et on a un commentaire qui dit qu'il fallait aligner l'équipe de l'année dernière et qu'on aurait sans doute gagné. Donc c'est quand même assez paradoxal. Le foot. Non, c'est pas beau le foot quand même, messieurs. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Mais Camara dans les buts, tout le monde critique Camara. Puis Camara, on va dire, si on a vu Camara. Si on a vu Camara au but, messieurs. Il aurait fait deux parades exceptionnelles. Il aurait pu gagner. Il aurait peut-être même marqué un but, Camara, qui sait, peut-être, dans les commentaires. Messieurs, par contre, est-ce qu'on peut s'inquiéter de la prestation de Kenny Lala ? Est-ce que Kenny Lala a encore la tête au Racing Club de Strasbourg ? Qu'est-ce qui se trame en coulisses ? C'est difficile à savoir. En tout cas, il y a un comportement du joueur sur les réseaux sociaux qui peut laisser planer le doute. Je suis quand même assez pressé qu'on arrive à la date butoir de ce mercato. Si le joueur doit partir et que c'est une volonté commune entre lui et le club, qu'il s'en aille. Et une fois le mercato terminé, si Kenny Lala est toujours dans l'effectif strasbourgeois, qu'il puisse se concentrer à 100% sur les objectifs du club pour être performant avec le collectif. Frédéric Roman qui nous dit « un peu trop timide et manque de réalisme devant ». Manque de réalisme devant, si on peut avoir les statistiques à la régie, je pense qu'on manque pas spécialement de réalisme. Il y a deux occasions peut-être qu'on aurait pu faire un peu mieux, c'est vrai. Il y en a une frappe de Kenny Lala du pied gauche qui oppose un mauvais pied. Et derrière, Jonas Martin. La tête de Jorge aussi. Qui ouais, mais là, là on est est-ce que c'est du manque de réalisme ça ? Est-ce que ça, c'est un manque de réalisme ? On n'a pas cadré. On a 9 tirs, un seul cadré. 9 tirs, un cadré. Est-ce que c'est un manque de réalisme quand on a 24 tirs en face ? On n'a pas une seule fois subi... face, voilà, c'est... Peut-être s'appliquer un peu plus devant les buts. Oui, c'est ça, c'est plus un manque d'application. Mais quand vous êtes tout seul, quand vous avez une pointe devant... Ah oui, mais bien sûr, effectivement, plus tu joues défensif et forcément, tu joues en contre et ben, pour avoir une qualité de frappe et une lucidité, tu t'appelles pas Mbappé, tout le monde ne s'appelle exactement. Pas Mbappé. Exactement. Voilà. Et c'est le cas sur la frappe totalement manquée de Lala. Il fait tout le terrain et il est en bout de course. Il manque de lucidité, tu le vois. Jouer défensif, c'est accepter d'avoir peut-être peu d'occasions sur le match et se mettre dans la tête que ces peu d'occasions, il faudra les mettre au fond quand elles se présentent. On les a eues, on les a pas mis au fond. Lyon a été plus réaliste. Et puis c'est Lyon en face. Et puis c'est Lyon. C'est Lyon et on voit bien, quand on parle de lucidité, le deuxième but de Traoré, c'est le parfait exemple. Il nous met deux crochets, il reste lucide, il l'enroule, voilà, c'est... C'est un autre niveau. On ne peut pas comparer un Traoré à. Faut arrêter un Da Costa, quoi. À un moment donné, faut arrêter de faire, faire la pleureuse ou être hypocrite ou se voiler la face. Se prendre 2-0 à Lyon, c'est tout sauf illogique. Mais tout. Quand tu vois la composition du 11 de départ et ce qu'il y a sur le banc côté lyonnais, tu peux même t'estimer flatteur de rentrer avec 2-0. On n'a pas à rougir de la défaite de ce soir. Non, surtout qu'on n'est pas de nouveau, on n'est pas ridicule. On n'est pas ridicule. Rappelez-vous quand même, alors, c'était le premier match, oui, on était content, c'était le premier match retour du Racing en Ligue 1, mais la saison dernière, on en prend 4 et on peut en prendre 6, 7 facile, on y était. On refait le fil du match, messieurs, s'il vous plaît. On a tiré le rayon qui disait qu'en première période, on a fait ce qu'il fallait pour combler l'écart, pour combler le niveau de jeu entre les deux équipes. Hein, et on n'a pas su ouvrir le score. Je pense qu'on avait réellement cette possibilité
Carton jaune. Le premier but à 43e minute de jeu, signé Martin Terrier. Et deuxième à 64e minute de jeu, Bertrand Traoré, ce qui fait 2-0. Pierre Ménès avait pronostiqué ce score. Voilà. Je pense qu'on a refait rapidement. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter sur le fil du match. Hein. Non, mais après les top et flop. On peut y aller, ouais. Je ne sais pas. Ouais, on peut y aller, effectivement. Oui, effectivement, Kevin Alla. Après, tu parlais effectivement peut-être d'un manque, pas d'application, mais qui soit ailleurs du côté d'un éventuel transfert et plus attirer l'attention justement du côté des réseaux sociaux. Je l'ai dit durant le direct, je trouve que Kevin Alla est un joueur surcoté, notamment sur ses facultés défensives. Et c'est pas la première fois qu'on voit Kevin Alla pris Kenny, de vitesse. Kenny Alla, je sais pas pourquoi je l'appelle tout le temps. Ça va bien aussi, Kevin. Je pense que dans deux ans, c'est oublié. Kenny Zoé, bientôt. Il y en a toujours au moins dans l'émission qui se trompe. Messieurs, s'il vous plaît, juste, oui. Je me permets ? Oui. Je te coupe pas, hein, tu pourras reprendre. Allez-y, monsieur Lebin, c'est votre émission. On se retrouve dans quelques secondes, regarde, voilà, c'est magique, à la régie. Ils sont magnifiques à la régie. On y va ? On peut l'envoyer. On nous dit pas qu'il y a un générique. Il y a un jingle top et flop. Il y a des moyens. On utilise le même et on le met à toutes les sauces. Donc on a les moyens. À toi, Max. Donc, Kenny Lala. On commence par quoi, les flops ou... Flop, Lala, Kenny Lala, voilà, parce que c'est lui qui est quand même. Pardon ? Kenny Lala, ton flop. Tu sors. Il sort. Moi, je le mettais en top, moi. Tu mettais en top, toi, donc, si tu veux. Donc voilà, le premier but vient quand même de... pas d'une erreur défensive, mais il est pris de vitesse, clairement, Kenny Lala. J'aurais mis Sissoko jusqu'à la 70e, parce qu'il a fait quelques belles percées dans l'entrejeu lyonnais, mais je le mets parce qu'effectivement, je trouve qu'il a pris le bouillon, vraiment le bouillon en première période. Et c'est tout. Voilà, je vais me limiter à deux côté strasbourgeois. Kenny Lala et Sissoko. Sissoko, merci. Julien, ton pareil, flop. Moi, je rejoins sur Lala, Sissoko. Après, je trouve que Thomasson, on l'a pas beaucoup vu. Ouais. On n'a pas beaucoup vu Thomasson. En plus, il avait un peu le rôle de meneur de jeu, donc c'était un peu, je pense un peu à lui d'être dépositaire du jeu soir. On l'a pas beaucoup vu. Donc voilà, moi je rajouterais Thomasson, mais après voilà, Lala et Sissoko, je suis d'accord. Non, mais il est, Thomasson, il est tributaire des changements tactiques de Loret. On va y venir, Max. Clairement, c'est à partir du changement. Bon, c'est vrai qu'en début de seconde période, même, on le voyait moins. Mais je trouve que ce système de jeu, il est perdu, Thomasson. C'est mon avis. Alors, est-ce qu'on peut mettre un joueur dans les flops parce qu'il est tributaire des changements tactiques et de la disposition de Thierry Loret? C'est compliqué, mais c'est vrai qu'effectivement, on ne l'a pas énormément vu, alors que vous ne le voyez pas à l'antenne, Jonathan Lebling est en grosse galère. non, pas du tout. Tu peux laisser parler les autres aussi, Max? Non, c'est très bien. Tu vois, le temps qu'il parle, je peux rester. Voilà. C'est le métier. C'est le système. Voilà, on essaie de trouver des solutions. Je pense que la semaine prochaine, on va mettre un gros morceau de scotch comme ça pour que l'oreillette, elle reste bien plaquée. Non, mais je vous garantis, heureusement que vous n'avez pas vu ces 2 minutes d'anthologie. Mathieu, voilà, ton flop. Et pendant 2 minutes, j'ai ramé. Mais ça, vous l'avez pas vu, d'ailleurs, ça s'appelle merci le professionnalisme. Maxime. Voilà. On va te laisser souffler, Maxime. En flop, j'ai mis Sissoko parce que je l'ai trouvé clairement en dessous de ses deux premiers matchs. De premier match, il a rayonné à la récupération et puis là, comme il l'a dit précédemment, il a pris le bouillon, il a pris un carton jaune et il était en dessous de ce qu'il a montré face à une équipe qui était d'un calibre au-dessus des deux premières équipes qu'on a pu rencontrer. Même si Saint-Etienne était déjà une belle équipe, c'est vrai que Lyon, c'est encore autre chose. Et Kenny Lala qui défensivement ne pèse pas, c'est ce qui revient régulièrement. Donc deux flops côté Strasbourgeois, j'en ai pas mis un. Messieurs, Thomasson. Je te laisse de la parole tout de suite, j'y arrive. Pas de Thomasson, pas de soucis, monsieur Lebling. Je reprends les termes de Maxime Brenner qui est à la régie aussi. Thomasson qui s'est mitraillé sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça laisse pas le champ libre à Idriss Saadi? Je dis ça, j'ai rien. On a l'impression qu'il y a un peu une nouvelle tête de Turc là, du côté du Racing Club de Strasbourg.
Bah, une tête de Turc, c'est pas vraiment une tête c'est du Turc. C'est pas le même poste, ça. Dit... Non, mais je parle pas de ça, je parle du fait de son rendement. Les gens attendent beaucoup plus de la part d'Adrien Thomasson. La saison dernière, au bout de trois matchs, Idrissa Adi, tout le monde demandait sa tête, hein, déjà. Mais parce que le premier match, il fait un match énorme, tout simplement. Et c'est comme si Sissoko, il fait deux matchs. Thomasson, il fait un beau match, le premier match. Ah bon? Ah bon, à Bordeaux, cette année ou en amical? Ah, peut-être en amical. Non, mais le deuxième but, c'est quand même Thomas. T'as joué sur FIFA 18, le match. Messieurs, vous oubliez le deuxième but. Le deuxième but, le super mouvement, c'est. Y a c'est Jonas. Qui est, il est dedans. C'est Jonas. C'est Martin. C'est Martin qui touche 3 ou 4 fois. Mais Thomas, on lance l'action si vous faites bien. Non, et qui donne la passe décisive. C'est lui qui fait la dernière passe à Martin, Thomas. Oui, effectivement, donc, il est dans le jeu, mais. Après, je pense qu'un Thomasson, on peut le comparer à un Jonas Martin. Il vient d'arriver. Ah oui, tout à fait. Et c'est un super joueur. Et voilà. On a un commentaire, voilà. Seb, qui va dans ton sens. C'est Patty Burger qui nous dit laissons le temps à Adrien Thomasson. Mais c'est exactement pour ça qu'on ne le paye pas. Et qui va quand même. C'est pour des analyses aussi précises. C'est aussi précis. Mathieu, vas-y. Attends, Mathieu. Je pense que Thomasson, en match amical, il a placé la barre très haute. On s'est assez vite quand même enthousiasmé par rapport aux prestations qu'il a pu montrer lors de la préparation du Racing. Et malheureusement, il y a une attente par rapport à ce qu'il a montré. Il n'arrive pas à le démontrer lors des trois premiers matchs de championnat. Je pense que c'est qu'une question de temps et de trouver ses repères dans le collectif strasbourgeois. Je ne suis pas plus inquiet que ça pour Thomasson. Seb, ton flop quand même, parce que je ne te l'ai pas posé, la question. Moi, les deux premiers flops, c'est pareil que tout le monde. Hein. C'est là pour les raisons de tout le monde. Sissoko, pas forcément pour les mêmes raisons, je l'ai trouvé hyper nerveux. Je te rejoins. On a regardé les stats avant avec Julien. Il fait quand même 13 récupérations, mais il en perd 15 des ballons. Donc, pour moi, il a été très nerveux, beaucoup plus nerveux que les deux premiers matchs. Il fait pas un mauvais match en soi, mais ce côté nerveux, ça m'a pas trop plu. Et puis il est pas loin de prendre un rouge aussi. Après, il est pas loin de prendre un rouge. Et puis derrière, il fait une nouvelle grosse. Et moi, par contre, j'ai un troisième flop, contrairement à tous mes. Ah, mais là, t'es déjà au troisième flop là. Oui, bah, j'en ai dit deux, Lala et Sissoko, je vous rejoins. Ah, d'accord. Et le troisième, bah, moi, je mettrais Monsieur Lauré. Oh, dessus. Je le mettrai. Tu es très dur. Je le sentais venir. Je l'ai vu passer tout à l'heure en commentaire, de toute façon. Je le sentais venir. Coupez-lui le micro. Mais je mettrai le flop, pas par rapport au début de match. Ce sont des propos d'un populisme grave. D'un populisme. laisse-moi me défendre, monsieur Ducap. Nous t'écoutons. Pour moi, on a tous loué son début de match. Il avait la bonne tactique, il n'y a pas de souci. Avant de partir à la mi-temps, j'ai laissé ma place à Maxime. J'ai dit, quel choix va-t-il faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire? On attend tous ça l'année dernière, on a tous critiqué ça, tous les gens qui sont autour de cette table, qui ne répondent pas toujours bien. Là, il passe en 4-4-2. Pourquoi il sort Goncalves? Ma question est là, pourquoi il sort Goncalves? Pourquoi il sort pas alors que un quart d'heure plus tard, il nous sort Cassie? Mais sort tout de suite Cassie. On en a parlé et tu sais très bien que je ne suis pas le plus grand fan de Thierry Lauré. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, on en a longuement parlé pendant le direct, on en a longuement parlé tout à l'heure lorsqu'on débriefait le match avant de faire l'after. C'est vrai que c'est un changement qui m'interpelle. Après, d'attendre Thierry Lauré après une défaite à Lyon 2-0, de l'attendre comme ça, bon... Non, moi, je critique juste... Non, mais parce que... Je critique sa réaction. Je vous connais, monsieur Young. Je critique sa réaction. Dès qu'il y a une défaite, on prend quelques nouveaux là, qui arrivent, quelques têtes de Turc, et Lauré, et on les attend comme ça. Je suis pas d'accord, parce que contre Bordeaux, j'ai eu la même critique, et contre Saint-Etienne, j'ai eu les mêmes critiques. Je parle de lui dans ses réactions, dans ce qu'il fait. Les deux premiers changements à Bordeaux et Saint-Etienne, c'était des bons changements sur des blessures. Oui. Les changements qu'il fait de son propre gré, ce sont des mauvais changements. D'accord. Est-ce que c'est ça qui coûte la défaite? Ça coûte peut-être pas la défaite, mais à 1-0, on peut peut-être tenter autre chose que de sortir Goncalves à la place d'Ajor. Mais tu rentres Ajor, c'est... Mais tu sors Cassie ou tu sors Lala? Non, mais je... Tu sors un défenseur et tu fais un vrai 4-4-2. Tu laisses pas 5 défenseurs et tu... C'est un 4-4-2 où déjà Cassie ne savait pas trop où se positionner avec l'espèce de 5-4-1 qu'ils ont mis. Là, tu sors un Goncalves, il ne sait toujours pas où se positionner, le Cassie. Est-ce que ça vaut vraiment d'être dans un flop en tant qu'entraîneur? Mais plus loin que ça. Dimitri n'étant pas trop loin. Pas trop loin, quand même. Juste, Liénard n'est pas là. Quand même. Hein. Donc, c'est lui qui tire tous les corners en général. Quand lui n'est pas là, c'est Goncalves. Il sort le mec qui tire les corners. Thomasson tire son premier corner de la saison, il envoie un parpaing, contre-attaque, on prend un but.
Ouais, mais c'est un concours des circonstances. Mais c'est un peu aussi la faute à malchance sur cette action. Régis Muller, je me permets juste un commentaire. Régis Muller qui nous dit « Nous perdons par déficit de niveau par rapport à Lyon et aucunement à cause des choix tactiques. » On rejoint ça, Julien, tu rejoins ça ? Ouais, quand même. Pour moi, les deux buts viennent d'erreurs des... Enfin, pas personnelles, mais c'est des erreurs successives de plusieurs joueurs. Et pour moi, c'est plus ça qui fait perdre le match que vraiment le choix tactique de Thierry Loré. Et on avait un commentaire, par exemple, tu vois, tu parlais d'erreur du coach, on avait Laurent Rosin un peu plus tôt qui disait que finalement la sortie de Pablo Martinez du 11, en fait, ça ne suivait aucune logique. Oui. Alors à la rigueur, si on pointait le coach du doigt de quelque chose, est-ce qu'on peut l'imputer de ça ? Là, je le rejoins parfaitement. Effectivement, l'absence de Martinez n'est pas logique. Et surtout que, là, je te suis, on a eu la possibilité d'une autre réorganisation, qui était de sortir Kevin Lala, qui était, selon l'avis de la table, et j'ai l'impression des réseaux sociaux, le joueur qui était le moins dedans. Oui, c'est... De mettre un dispositif éventuellement à trois défenseurs, centraux, avec Martinez, Mitrovic et Koné, et éventuellement d'avoir d'autres possibilités, et de faire reculer Gonçalves à ce moment-là. En tout cas, on avait cette possibilité-là. On reverra Kenny Lala sous le maillot du Racing Club de Strasbourg. Ça n'est pas sûr. Le prochain match est le 1er septembre. Donc, quoi qu'il arrive, si un joueur devait partir, on ne le verrait plus sous le maillot du Racing Club de Strasbourg. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, vu les commentaires, on a l'impression qu'il est aussi un peu poussé vers la sortie. Oui, non, mais il est poussé vers la sortie. Alors, c'est bien beau de pousser Kenny Lala. J'y vais arriver. Kenny Lala. Mais on met qui à la place ? Parce que, effectivement, on a du mal. Calves. On a du monde côté gauche, mais côté droit, à part Kevin Lala et éventuellement Gonçalves qui peut dépanner. Gonçalves, oui. Mais sinon, on a personne. Je pense qu'il peut faire plus que dépanner Gonçalves sur ce côté. Bah, il peut, d'accord, ok, mais Gonçalves, il va faire toute la saison. Mais Carole peut pas. Tu connais le caractère de Gonçalves. C'est un défenseur gauche après. Le caractère de Gonçalves, il va se prendre régulièrement des jaunes, donc des suspensions. Est-ce que tu vas tenir C'est vrai qu'un caractère comme celui de Gonçalves en défense, c'est inquiétant. Hein, je veux dire, C'est surtout que tu peux pas miser sur qu'un joueur à ce poste-là. J'ai connu un défenseur, vraiment, et Maxime va peut-être me tacler, va peut-être me jeter sa bouteille de Carola, mais j'ai connu un défenseur comme ça du côté de Liverpool, c'était Jamie Carragher. Mais Jamie Carragher pouvait se le permettre parce que c'était un joueur anglais dans un championnat anglais. En France, on s'en fout qu'il soit un joueur français. En plus, il est à moitié portugais, donc... On a le sifflet un peu plus facile et on accepte moins l'impact physique en France. C'est le problème des joueurs comme Gonçalves qui sont durs sur l'homme. Ils ont tendance à commettre beaucoup de fautes puisqu'on n'est pas dans un championnat où on a tendance à laisser jouer. Donc c'est peut-être là le défaut de Gonçalves. Après, n'a-t-il pas l'expérience pour lui aussi se remettre en question, de mettre un impact physique toujours aussi fort, mais en étant peut-être plus intelligent dans ses interventions, en essayant de commettre moins de fautes ? Je ne sais pas, c'est à voir, à tester. De toute façon, l'avenir nous le dira. Sur l'épisode Lala, on sera fixé très très rapidement. On a deux commentaires. On a Didier Altid qui nous disait « Il y a un an, quasiment jour pour jour, on portait en grande pompe, on montait en triomphe le Kenny Lala. Aujourd'hui, on est en train de le descendre. » Et puis, on a Raphaël Fessler qui nous dit « Où sont passés les 15 millions d'euros d'Aoulou ?» Je ne suis pas d'accord, et je pense que Max, va se rejoindre. Non, mais je pense que c'est une minorité quand même qui ne portait pas Lala en triomphe. Franchement, c'est vrai que l'année dernière, les supporters, le grand public, Kenny Lala, il était adulé. Non, moi, j'ai jamais été... Le grand public. J'ai jamais été fan de joueur. Pourquoi ? Parce que combien de buts on a pris ? Et d'ailleurs, je me souviens que tu avais fait la stat à un moment donné, au bout de 15 journées. Ouais. Combien de buts 70% on a pris sur ce débordement côté Lala, et on prenait des buts. À Monaco, sur les 3 buts, on prend 3 fois de son côté. 70% des buts la saison dernière venaient du côté de Kenny Lala. Il a porté énormément offensivement, ce qui contrastait avec ses erreurs défensives. Puisque offensivement, l'année dernière, on avait un mal fou quand on avait la possession du ballon à créer des phases de jeu, et c'était souvent sur le côté, sur les montées de Thierry Lala, qu'on arrivait à créer. Thierry Lala. Kenny Lala. Non, mais il se fait tard. Hein. On n'a pas l'habitude de terminer aussi tard, mais ouais. Non, je voudrais finir sur Kenny Lala. Est-ce que ce joueur est utilisé à bon escient en arrière latéral d'une défense ? Est-ce qu'il ne serait pas meilleur à positionner plus haut sur le terrain ? Juste avant que vous réagissiez, messieurs, moi j'avais vu une interview, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Kenny Lala dans l'Alsace, qui disait qu'on lui reprochait trop souvent de ne pas assez apporter offensivement. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'était à peu près à 3-4 semaines, une interview qui m'a laissé un peu... J'avais un peu du mal à saisir le message, hein, parce que c'était plutôt l'inverse. Hein. C'est une mauvaise... Alors, il dit ce qu'il veut, hein, Kenny Lala, mais on a une équipe l'année dernière qui a pris 67 buts. Ah oui.
donc 70% de son côté. Donc 40 au moins 40 de son côté. Donc je pense qu'il faudrait qu'il se remette en question sur d'autres choses. Effectivement, s'il apporte pas suffisamment offensivement et que 70% des buts viennent de son côté. Après, je parle de pourcentage parce que je sais que Max aime ça, mais. Non, Max n'aime pas ça. Max n'aime pas ça. Juste pour. Je vais essayer de conclure ce sujet-là. Je trouve que c'est un joueur qui a énormément de potentiel, qui a montré de bonnes choses la saison dernière, mais qui n'évolue pas, qui ne progresse pas. Et notamment sur ses points faibles, que sont le placement défensif. Parce que là, le but, on va terminer, je pense qu'on va terminer sur ça, le but qu'on prend, en fait, je sais pas, un défenseur, on apprend toujours de garder un œil sur l'attaquant qui est à côté de lui. Et quand on regarde bien le but, il regarde le ballon. Et Terrier part tout seul voilà. C'est un manque de concentration. Et c'est pas que. Ouais, excuse-moi. Ouais, mais il regarde le ballon au lieu de regarder l'attaquant. Et à partir du moment où Terrier commence à courir, il ne le rattrape plus. C'est bon ? Ouais. Mathieu, je te laisse faire ton top parce qu'après, on va faire le dernier changement de cette rencontre, nous aussi, de cet après-match, dans les prolongations. Est-ce qu'on a quelque chose d'ailleurs pour la transition ou est-ce qu'il faut couper le direct, messieurs, à la régie ? On arrête avant minuit. On arrête à minuit. Il est quelle heure ? Quand même 37. 37, oui, donc là, on fait un dernier Parce que sinon, on passe en horaire de nuit. Laisse-le faire son top, vas-y Mathieu, excuse-moi. Alors en top, Jonas Martin, qui est pour moi le meilleur Strasbourgeois. Il s'est éteint, je l'ai dit tout à l'heure, sur le deuxième but des Lyonnais avec l'ensemble du collectif des Strasbourgeois. Mitrovic, malgré qu'on perde 2-0, il a été très propre sur la plupart de ses interventions. Il a commis moins de fautes que la semaine dernière. On l'a senti moins en danger lors de sa percussion sur les offensives adverses. Et puis Cels qui réalise 8 arrêts sur le match et qui évite peut-être un score plus salé à l'arrivée du côté des Strasbourgeois. Marrant petit jeu de mots, hein. Cels qui évite un score un peu plus. C'était tout réfléchi. Allez, merci beaucoup, Mathieu. On te retrouve. La semaine prochaine. Non, dans 15 jours. Dans 3 semaines, parce que je crois qu'il y a. D'avant-match. Merci beaucoup, Mathieu. À dans 15 jours. Merci à vous. On revient juste sur l'interview d'avant-match de Thierry Loret, l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg. Et puis nous, on se retrouve dans quelques minutes pour la fin de cet after. À tout de suite. Je n'ai pas d'inquiétude particulière, dans la mesure où. C'est une équipe qui potentiellement est supérieure à la nôtre. Donc. On y va pour faire le meilleur match possible. Et puis après, on ne sait jamais. Il y a eu des précédents sur un malentendu. On peut peut-être y arriver. Voilà. On va dire ça avec un peu de dérision, mais on pense qu'on peut embêter cette équipe. Bah oui, et puis on a aussi encore en tête la victoire ici en mai quand même. Faut pas l'oublier non plus, quoi. Donc l'un et l'autre font que. On sait qu'on peut le faire, mais on sait aussi que si on ne met pas tout ce qu'il faut, on peut prendre cher aussi. Donc c'est l'an dernier, pour ça, ça a été deux bons résultats pour nous. Dans le sens où il y en a un qui nous a fait apprendre et l'autre qui nous a montré qu'on était capable de le faire. Encore une fois, on n'a pas. C'est notre performance qui nous importe, quoi, en fait. Après, Lyon va jouer son jeu et si on n'arrive pas à contrecarrer leur plan, c'est vrai que ça va être difficile. On sait que chez eux, ils sont très, très performants. Mais après, on sait aussi qu'il y a des équipes qui leur ont posé des problèmes. Donc, pourquoi ne pas rêver ? Alors, il y a Chamba qui a une petite douleur, mais de toute façon, Chamba est prévu avec l'équipe réserve. Il a encore besoin de quelques matchs pour retrouver la plénitude de ses moyens, du moins sur la durée, il faut qu'on voit, parce qu'il a eu quand même pas mal de blessures ces derniers temps, et donc on ne veut pas prendre de risques. Liénard, qui a une douleur au mollet, qui a ressenti une douleur au mollet sur le dernier entraînement, donc on va certainement devoir se passer de lui. Et après, les autres, on a un groupe de 20 joueurs plus 2 gardiens, et on va voir après qui nous accompagne à Lyon et qui va avec l'équipe réserve. Et Thierry Loret dans conférence d'avant-match, on précise, les images signées Top Music avec Sébastien Ruffet. Messieurs, là, Thierry Loret disait la saison dernière, il y avait un match face à l'Olympique Lyonnais qui nous a fait apprendre et un match qui nous a montré qu'on était capable. Il nous a fait apprendre ce match ce soir, Max, qui a fait son retour sur le plateau. Oui. Effectivement, par rapport à ce soir, de là tirer des leçons, pas forcément certains. Par rapport à ça. Par contre, je trouve effectivement au niveau du recrutement, je trouve que ce match a vraiment bien reflété notre recrutement.
Derrière, on était quand même assez solide, surtout la charnière centrale, le gardien également, Sels qui a fait un bon match. Par contre, on ne s'est pas procuré beaucoup, beaucoup d'actions. Donc, l'éternel débat, est-ce qu'il faut à nouveau un attaquant? La question se repose. Monsieur, la question est posée, hein? Oui, bah, elle se pose depuis... Depuis deux mois, trois mois. Elle se pose depuis quelques temps, et puis surtout après le match de Saint-Etienne. Je ne suis pas certain qu'un autre attaquant aurait apporté plus que Dacosta. Ça aurait pu apporter une autre solution, effectivement, de mettre Dacosta sur un côté. Mmh. Et là, effectivement, il y aurait peut-être eu plus de liaison. Mais sur le même dispositif, en enlevant Dacosta et en mettant un Ajor ou autre, je ne suis pas certain qu'il y aurait eu plus d'opportunités pour le Racing Club de Strasbourg. Après, c'est une analyse qui tient qu'à moi. Hein, mais... Non, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est, quand j'étais derrière, c'est souvent les commentaires en fait, qui revenaient par rapport à un attaquant. Mais je trouve qu'au niveau des attaquants, on a ce qu'il faut dans l'effectif avec Zoé, Ajor, Dacosta. Saadi, qui pourrait peut-être s'y faire un beau retour et être une belle surprise. Je trouve qu'un attaquant supplémentaire, ça serait peut-être de trop. Et ça priverait peut-être le jeune Zoé de... Tu sais quand même que tu vas pas te faire beaucoup d'amis, là. Hein. Là, sur Canal Racing, tu te feras pas beaucoup d'amis dans les commentaires. Hein. Non, sincèrement, je pense qu'on a ce qu'il faut en au niveau... Temps, on n'est pas là pour se faire des amis. Au niveau mais voilà, mais je le précise. Je le précise, moi, je le dis, je le répète, l'attaquant... Non, moi, je suis assez si Saadi fait une grosse saison, c'est comme une recrue, au final. Moi, hein. Je suis assez d'accord. Le problème de l'attaquant, c'est un éternel problème, mais pour qu'un attaquant brille, il faut qu'il ait des ballons. C'est ça, le problème, au jour d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, on l'a vu, on parlait d'efficacité à un moment donné. Mais quand on regarde les deux premiers matchs, je trouve qu'on a été quand même plutôt efficace. Je veux dire, on a provoqué deux rouges, on a mis trois buts. Contrairement à l'année dernière, je trouve qu'on est quand même meilleur, même dans le secteur offensif, on est meilleur en général par rapport à l'année dernière. Et aujourd'hui, il te manque des joueurs cadres. Hein. On rappelle, hein, Dimitri Lénard absent, Idrissa Adi encore absent. On avait Ludovic Ajor qui n'a pas démarré la rencontre. Qui avait l'air encore un peu blessé. Qui avait l'air un peu, ouais. Qui, pourtant, qui a... Il était intéressant quand il était très intéressant. Très intéressant, hein, Ludovic Ajor. On avait le top avant avec Mathieu, Mitrovic, Jonas, Martin et Matt Sels. On peut avoir le tien, Seb, ton top, parce qu'on a eu ton flop, mais... Bah, je ne mettrai pas Monsieur Laurier, hein, c'est sûr. Mais, Ça, on l'a bien compris, je crois. Non, mais je partais sur le même top, en fait. Martin, pour moi, voilà, je pense que tout le monde... Martin Terrier. Martin Terrier, oui. Non, mais je pense que Martin, on sera tous d'accord qu'il est au-dessus, que c'est Jonas le joueur. Jonas Martin Terrier. Jonas Martin Terrier, ouais. J'aime bien changer les prénoms ou les noms des joueurs. Mais j'ai presque envie de mettre Carole, quand même. J'ai presque envie de le mettre dans ce top, parce que comme a très, très dit justement Monsieur Ducap, il n'a pas fait d'erreur. Et la grosse occasion, mine de rien, la grosse frappe, c'est lui. Eh oui. Est-ce que tu veux une brosse aussi pour... Non, pour... Ah, je lui dote de temps en temps, je vais aller dans son sens de temps à autre. Et en dernier, le gardien. Matt Sels, comme j'aime si bien le dire, non mais Sels, parce qu'il est rassurant. On prend deux buts, mais il ne peut rien faire sur ces deux buts. Et il est hyper rassurant pour notre défense. C'est bon d'avoir un bon gardien de nouveau. Régis Muller qui nous dit on n'a personne pour remplacer Stéphane Bauken et Martin Terrier. On avait un profil dans le viseur. Il était très intéressé. Enfin, en tout cas, le Racing était très intéressé. Ouais. C'était Gaëtan Laborde, des Girondins de Bordeaux, qui est parti du côté de Montpellier. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Bah oui, moi je reviens régulièrement sur ce cas-là, mais les trois matchs ne m'ont pas montré le contraire, que le départ de Bauken nous prive de solutions offensives. Parce qu'il apportait, mine de rien, Steph Bauken, il apportait du volume de jeu, que ce soit dans sa densité ou que ce soit dans ses appels, il apportait. Et pour moi, c'est une erreur d'avoir laissé partir Bauken. Et si tu l'as dans ton effectif, tu es obligé de le mettre titulaire aujourd'hui? Oui. Parce que c'est l'attaquant, justement, que tu peux mettre en pointe. Oui. Ok. Oui, non, mais voilà. C'est pas pour dire que j'ai raison ou dire que... Les trois matchs montrent qu'il y a quand même un manque aujourd'hui. Oui, mais au jour d'aujourd'hui, on a un Saadi blessé et un Ajor blessé aussi. Peut-être, oui. Ils ont à peu près ce profil de Bauken, laissons-les revenir et on a quand même joué Bordeaux, Saint-Étienne et Lyon. Mais j'ai l'impression qu'on a, on mise déjà sur le jeune Zoé pour remplacer Bauken. Non, je ne pense pas. C'est pas en trois semaines de préparation qu'un jeune du centre de formation va arriver au niveau d'un Bauken. Zoé joue parce qu'il y a des blessés, il faut aussi le voir comme ça. Il faut aussi le voir dans l'autre sens. Mais Bauken, il joue en ce moment à Angers. En même temps, il joue à Angers. Bah oui, mais
Est-ce qu'il aurait le même temps de jeu à Rennes, par exemple? Non, mais il aurait eu au moins le temps de jeu, il aurait eu au moins le même temps de jeu au Racing, s'il était là. Si on l'avait conservé, si on lui avait montré un vrai intérêt. Avec les blessés actuels, on lui a montré de l'intérêt, mais on ne lui a pas montré suffisamment d'intérêt. Oui, mais avec les blessés actuels, j'ai envie de même dire de respect par rapport à tout ce qu'il a pu faire et apporter au club. Mais ça, je ne remets pas en cause. Tout ça, je ne remets pas en cause. Monsieur Stéphane Brocken, parce que pour le coup, on est dans les petits papiers. Le club n'a jamais montré qu'il le voulait, il ne lui a jamais dit « on te veut vraiment ». À un moment donné, un joueur a aussi besoin d'être un petit peu… faut un peu le rassurer, il faut lui dire on a envie de t'avoir. Si c'est juste pour lui donner un papier et dire « allez tiens, je te re-signe pour la saison prochaine », quel intérêt un joueur, il a besoin d'être chouchouté. Alors, quand même là, un joueur. Pourquoi on n'est pas dans les petits papiers, mais j'ai la crainte, ma crainte, c'est qu'il se passe la même chose avec Dimitri Yenard. Est-ce qu'on n'a pas aussi… Enfin, après, je veux surtout pas spéculer. Non, mais je veux surtout pas spéculer, parce que ça, c'est la première des choses qui me reviendrait un petit peu tel un élastique quand je vais à la Méno la prochaine fois, en pleine tronche. Mais on a peut-être aussi la sensation qu'on veut tout changer à Strasbourg. On enlève l'ancienne équipe et puis on remet une nouvelle. Quand on propose un an de prolongation à Alexandre Okidja pour une poste de numéro 2, vous savez pertinemment que le joueur ne va pas rester. Enfin, il faut arrêter. Alors, il est parti au FC Metz, on peut critiquer comme on veut, mais je suis désolé, comment critiquer ce choix de carrière? On ne peut pas critiquer. Doukidja, par exemple. Mais c'est criant quand vous proposez un an en numéro 2, le joueur il se barre, c'est logique. Bah, bien sûr. Surtout s'il a un poste de numéro 1 à côté. À Metz qui joue la montée quand même, hein, on le rappelle. Ouais. Hein, alors on a beau ne pas apprécier le FC Metz, c'est pas notre club préféré, mais voilà. Messieurs, le top aussi, pardon. Parce qu'on s'emballe. Là, je m'emballe, voilà, ça y est, ça m'énerve. Là. Ça y est, il faut un peu recadrer cette émission. Je me recadre moi-même. En top, je mets bien sûr Jonas Martin en 1. Alors après, je ne vais pas classer non plus, mais voilà, en deux, Carole, parce qu'effectivement, je trouve qu'il a apporté. Il a été solide, voilà. Clairement, il a été solide dans tous les compartiments du jeu. Il a montré de bonnes choses, que ce soit sur le secteur défensif où il n'a jamais été débordé, ou que ce soit dans le secteur offensif, il a apporté sur son aile. En plus, dans ce dispositif, en première mi-temps assez spécial, où on part avec 5 défenseurs sur des phases défensives et en phase offensive. Un Carole qui monte, et donc avec simplement 4 défenseurs, il a joué son rôle, mais pleinement. Il a apporté quelque chose. Et je m'arrête là, à 2. Voilà, Jonas, Martin et Carole. Jonas, Martin et Carole. Julien. Ben, Jonas, Martin. Ouais. Logique. Après, Cels, parce qu'il a été vraiment solide, il a été propre, il a été... lui, on ne peut vraiment rien lui reprocher. Et puis, je mettrai Mitrovic aussi, parce qu'il s'est montré solide. Pareil, il a bien tenu... Il a bien tenu les attaquants lyonnais, et mis à part peut-être le ballon qu'il perd sur le corner, sur le deuxième but, mais sinon, à part ça, c'était vraiment, vraiment costaud. Tu mets un top 3 à 4, toi. Tu mets un top 3 à 4. Hein. Mitrovic, Cels, Martin, Mitrovic, t'as dit Carole aussi, je crois. Cels. Non, il a pas dit... non, Carole, non. Ah, t'as pas mis Carole? Ah, je croyais. Il me semblait que t'avais dit Carole. Tu voulais parler du système avant, toi. Oui, on peut en parler. Je ne vais pas donner ton top 3. Certains sont... T'as pu aussi redire juste le flop, comme j'étais juste derrière. Vas-y, fais comme chez toi, si tu veux, je te laisse ma place. Non, vas-y, je rigole, Maxime. Alors, en flop, Thomasson. Pour moi, effectivement, c'est vraiment un flop par rapport au début de saison. Troisième match de nouveau, pas forcément abouti. Alors, effectivement, il faut lui laisser du temps. Mais on attendait beaucoup plus de ce joueur-là, donc j'espère qu'il va se réveiller, sinon, à mon avis... va peut-être passer du côté du banc. Deuxième, pour moi, effectivement, Kenny Lala, pour tout ce que vous avez raconté, on ne va pas continuer à polémiquer dessus. En deuxième, effectivement, Lala. Et en troisième, je mettrai aussi Sissoko. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé de lui dans les deux premiers matchs. Et là, c'est vrai que c'était quand même un gros match, une grosse équipe en face. On s'est peut-être vite enflammé. Jeune joueur. Effectivement. Mais là, je pense que même lui, il est un peu redescendu sur terre. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de marge de progression, mais il a un énorme potentiel. Donc je mettrai Sissoko pour ça, pour les flops rapidement. Et on peut aussi, je te coupe juste, on peut juste conclure, on prend 3 buts, on est sur les mêmes pourcentages l'année dernière, 3 buts côté Kenny Lala, sur les 3 premiers matchs. Pourquoi il revient sur Kenny Lala? J'ai pas compris. Dans les flops, quand on met Kenny Lala, on est sur les mêmes pourcentages que tu disais l'année dernière, on a pris 70% de nos 67 buts. Oui. Là, pour l'instant, on est à 100%. 3 buts, 3 fois côté Kenny Lala. Voilà. Voilà, très c'est bien. Tout. Je peux me lever, je peux y aller. Merci, au revoir. Tu vas partir en vacances avec la famille Lala. Hein. Ah bah, je pense que ça va faire beaucoup d'amis chez les Lala. Bon, monsieur Lala et monsieur Loré, on peut partir en vacances, pas de soucis.
tu peux y aller. Super. Et donc pour le top, moi je mettrai également Jonas Martin. C'est vrai que j'étais grande surprise d'ailleurs. Ça, je suis vraiment surpris que tu mettes Jonas Martin là. Original. Mais pourquoi? Non, c'est vrai que j'étais assez déçu de sa saison dernière. Je le critiquais quand même pas mal, faut l'avouer. Mais depuis le début de saison, il fait vraiment des bons matchs et je trouve que c'est une confirmation ce troisième match, malgré qu'il s'est éteint au fil des minutes. Mais il a vraiment fait pour moi une bonne heure de jeu. Et comme je l'ai dit dans le direct, ça se voit que ses coéquipiers lui font confiance, il touche de plus en plus de ballons. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne surprise, une bonne révélation à nouveau. Troisième match, Jonas Martin, ou plus ou moins c'est l'homme fort de la rencontre. Est-ce qu'à dixième journée, s'il est toujours l'homme fort, on va encore dire oui, mais la saison dernière, il n'était pas vraiment au niveau, mais cette année, il est au niveau. Pourquoi est-ce qu'il est au niveau aussi cette année? Pourquoi? C'est peut-être bien acclimaté à la ville, avec également les partenaires, ils se sentent peut-être de mieux en mieux. Voilà, on l'a tout simplement mis à un poste qui lui convient, parce qu'il n'est pas du tout dans le même rôle que la saison passée. Oui, bien sûr. Bien sûr. D'une, il joue au poste qui lui convient, et de deux, les joueurs qui sont autour sont aussi meilleurs. Il faut aussi soulever. L'année dernière, il arrive, on vient de monter en Ligue 1, on a une bonne équipe, mais on n'a pas non plus une top équipe. Cette année, on n'a pas une équipe pour faire du jeu. Voilà. Cette année, on a une équipe qui fait quand même beaucoup plus de jeu que par rapport à l'année dernière, qui convient beaucoup plus au jeu de Martin. Tu voulais que ça dure. Voilà. Top 3, il est fait. Donc le premier, effectivement, Martin. En deuxième, alors je suis pas forcément original, je reste pas dans les règles, je mettrai deux joueurs qui sont complémentaires du moins sur ce match. Je mettrai Koné et Mitrovic. Koné Mitrovic, ouais. La charnière centrale était vraiment, vraiment rassurante, malgré qu'on ait pris deux buts, mais je trouve que ça a quand même dégagé de la sécurité. Alors qu'en début de match, on critiquait justement le choix avec Martinez sur le banc, mais au final, je trouve que la charnière était vraiment, vraiment intéressante. Et en troisième, je vais mettre Ayork. La rentrée d'Ayork, qui je trouve est prometteuse. Il a touché quelques ballons. C'est vrai que sa première frappe, elle est passée vraiment au-dessus. Mais je pense qu'avec une bonne condition physique, un peu plus d'automatisme, ça peut être vraiment une bonne surprise. Ludovic Ayork, messieurs, vous êtes d'accord ou pas? On est d'accord. Vous n'entendez pas ce qu'il dit dans mon oreillette, hein? Oui, bien sûr, on entend. Ils sont terribles à la régie. C'est dommage, on n'a pas mis la caméra. D'ailleurs, ce soir, on était un peu pris de court, mais... C'est des petits rigolos à la régie. Il en faut. J'en ai que deux dans mes tops. Je mets Gonzalves dedans, par principe. C'est beau. Parce que tu sais ce qui va arriver. Tu connais la suite. Bien sûr. Je mets Dimitri Lienard. Je vous ai dit, la saison dernière, on a perdu. Il était absent 5 fois. 5 fois, on a perdu. 5 fois, on n'a pas marqué de but. Alors, je mets Dimitri Lienard, par principe. Parce qu'il n'est pas là, on n'a pas gagné. C'est de sa faute. Donc en flop. En flop, alors on peut le mettre en top, ouais, enfin un peu. Non mais. Vas-y, Seb, plus sérieusement, je voulais parler du système. Laisse parler Seb du système maintenant. Alors, moi je vais revenir sur ce fameux système. Contrairement à. Alors, on va quand même dire des bonnes choses, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses. Comme je l'ai dit avant, sur le système qu'il a mis en place, c'était la meilleure des choses à faire contre Lyon. On joue Lyon. On sait qu'on a peu de chances de gagner, mais on a toujours. C'est le foot, le sport, c'est pas fait pour être rationnel, comme je dis souvent. Donc il y a toujours une possibilité de gagner. En plus, ce soir, on joue un petit Lyon. On a beau dire que... Mais Lyon n'était pas... Il y a quatre joueurs principaux qui sont sur le banc. Ils font un petit match, Lyon. Le changement qu'il fait de passer en 4-4-2, je suis d'accord avec lui. Mais pourquoi sortir Goncalves? Pourquoi ne pas sortir un défenseur et faire un vrai 4-4-2? Quand tu mets Goncalves dans le top, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est peut-être ce gars-là qui aurait pu ramener ce centre pour égaliser. Si déjà on perd 1-0, on n'est plus à un but ou deux buts près. On tente quelque chose, ben tentons-le à fond et pas à moitié. C'est ce que je reproche à Lorraine. C'est vrai que souvent, Gonçalves, en plus quand il rentre en cours de match, et encore que, je me souviens de matchs où il avait été dans le 11 de départ, c'est souvent Gonçalves qui débloque des situations. Et là, notamment sur ce match, ben, Lienhardt ne joue pas. J'apprécie beaucoup le bonhomme, j'apprécie beaucoup le fait que ça soit un guerrier sur le terrain, c'est tout ce qu'on aime dans le joueur. Après, j'adhère pas forcément à la qualité footballistique d'Anthony Gonçalves. On n'a jamais dit ça, non mais c'est vrai, tu as entièrement raison. Mais par sa grinta, parfois. Là-dessus, il est irréprochable. Que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, c'est ton dernier. Et tu vois, le truc que j'ai soulevé où tu as été d'accord, ce match-là, Lienhardt ne joue pas, Gonçalves tire tous les corners, on le sort. Il y a un corner derrière pour Strasbourg. Thomasson le tire. Alors, je ne sais pas s'il s'entraîne, si c'est le troisième tireur, je ne sais pas. J'espère bien qu'il s'entraîne. Hein. Mais il nous envoie un espèce de parpaing qui va de l'autre côté du terrain. Ça emmène la contre-attaque qui amène le but.
C'est un mauvais changement. Donc, je ne dis pas qu'on aurait gagné le match ou qu'on aurait fait match nul, mais pour moi, c'est un mauvais changement. Parenthèse, messieurs, quand même. Déjà, on tient à vous remercier au nom de toute l'équipe Canal Racing. Il est quasiment minuit. Hein. Je ne sais pas s'il n'est pas minuit passé déjà. Vous êtes encore nombreux et nombreuses à nous suivre sur Canal Racing, le Strasbourg Football Club. C'est l'après-match. On vous rappelle que le Racing Club de Strasbourg s'est incliné de 2-0 du côté du Groupama Stadium face à l'Olympique Lyonnais. Nous, pensez à télécharger l'application Canal Racing, que ce soit sur Android ou iOS, ouais, tout simplement sur Apple. Et puis, pensez à mettre un petit j'aime aussi sur la chaîne YouTube Canal Racing, c'est facile à trouver en fait. YouTube Canal Racing, c'est facile, vous mettez un petit j'aime, ça vous permet vraiment d'ailleurs d'avoir des notifications sur le début des directs. Donc voilà, messieurs, je peux vous demander une note pour ce match, une note sur 10. On a le droit aux virgules. Non, parce que Maxime va arriver à un 6,25. Allez, non. Là, oula, est-ce que tu mets la moyenne déjà toi? 4. Tu mets 4 à ce match ? 4 à ce match. Allez, envoyez-nous vos notes, s'il vous plaît. Envoyez-nous vos notes sur 10, hein, de 2 à 1 à 10. Évitez le 0 quand même, parce que ce serait pas sympa. Mais mettez-nous une petite note, et puis on mettra les notes et les commentaires les plus pertinents. 4 sur 10, tu mets ? Bah oui, parce que ça n'a pas non plus été un match extraordinaire. Première mi-temps un petit peu animé sur le premier quart d'heure, les 20 premières minutes. Ça a un peu baissé en qualité et en occasion. Il y en a pas vraiment eu d'ailleurs des occasions. Les plus grosses occasions au bout de 20 minutes, elles étaient strasbourgeoises et c'était des phrases qui n'étaient pas cadrées, qui venaient en contre. Et puis la seconde période était... C'était pas jojo. J'ai pas pris mon pied ce soir. Note de la rencontre. Hein, et je risquais pas le prendre. On parle de note de la rencontre, on est bien d'accord, hein, monsieur. Hein, note de la rencontre. Et sur 10. Sur 10. Oui, sur 10. 10. Oui. On oui, a Corentin Kolb qui nous met un 3. Non, moi je vais être un peu plus sympa, je vais mettre 5. 5 moyenne. Pareil, parce que la première mi-temps, moi je l'ai trouvée assez intéressante. En deuxième mi-temps, le niveau de jeu a baissé, mais c'est pour ça. Une bonne mi-temps, une mi-temps moins bonne, 5. Ok. Merci. Entre les deux, 4,5. Je donnerais 4,5 parce que c'est vrai que c'était. Si on regarde les 3 matchs du Racing, c'était le match le moins passionnant. Alors que c'était quand même Lyon en face. Un petit Lyon, on l'a dit. Le Racing, bon, en fin de match, a tenté quand même de. Essayer de réduire le score, mais c'était vraiment, pour un match de Ligue 1 entre quand même deux bonnes équipes, surtout Lyon, c'était vraiment un petit match du vendredi soir. Moi, je rejoins notre ami sur Canal Racing, je ne sais plus son nom. Un 3 ? Je vais mettre un 3. Ah, ça dégomme hein, ce soir. Parce que, tout simplement, parce que le Racing, oui, c'est son plus mauvais match depuis le début de saison. Par les choix tactiques ou pas, je sais pas, mais c'est le plus mauvais match. Non, tu peux pas dire par les choix tactiques. Non, mais je dis ça. C'est le plus mauvais match du Racing. J'ai été trouvé beaucoup plus nerveux que d'habitude, notamment Sissoko, il montre un peu cette image. Et derrière, Lyon, ils n'étaient pas bons non plus. Mais c'est la première fois de la saison. Donc quand tu as deux mauvaises équipes, tu peux pas avoir un bon match. Pour faire un bon match, il faut deux belles équipes. Ce soir, on avait deux mauvaises équipes. Deux moins, ça fait un plus. Donc ça vaut pas plus qu'un 3. C'est la première fois de la saison où on est vraiment dominé, qu'on n'a pas la possession du ballon et qu'on joue contre une équipe qui a 11 joueurs. Oui, donc mais... forcément, tu vois. Et c'est Lyon en plus en face, donc forcément, tu vois des limites. Pour moi, un Lyon, le match qu'ils font donc tu peux pas dire que... ne vaut pas plus qu'un Montpellier ou n'importe qui. Hein. Oh non, tu peux pas dire ça. Ah bah si. Julien, mais non, tu Julien, peux pas dire ça. Arrête. Deux secondes, je te laisse lui répondre. Hein, tu auras un droit de réponse, Maxime. Julien Blore qui lui met un 6 à la rencontre et qui dit ça laisse de l'espoir. On a Jean-Claude Schwartz qui nous met un 2. Je donne quand même mon avis, hein, si ça vous intéresse. Moi, je mets un 6. Mais je mets un 6 parce que cette équipe du Racing, même quand elle était menée, elle a essayé de jouer. On n'a jamais balancé de longs ballons. On n'a pas changé de philosophie de jeu. Peut-être qu'on aurait dû. Hein. Peut-être que la solution aurait été de faire ça. Mais je trouve qu'avec l'équipe en place, aujourd'hui, on a quand même essayé de produire et de sortir proprement. Ça a été difficile. On a dû faire le dos rond en deuxième période quand l'Olympique Lyonnais a tout fait pour marquer ce deuxième but. On met Ajorc, on tente un coup offensif de la part de Thierry Loret. C'est là où je te rejoins un peu moins, Seb. Je critique pas. Ah non, mais qui rock contre Ajorc, c'est un très bon choix. C'est la personne qui sort qui est mauvais. C'est ça. C'est ça que je dis. C'est qui rentre Ajorc, qui tente le 4-4-2, je suis. Je pense que c'était compliqué quand même de sortir un joueur sur ce match. Parce qu'on était mené que 1-0, mais tu savais qu'il fallait quand même mettre un but pour au moins égaliser. Donc va faire un choix et tu essaies de faire le moins pire. Je suis d'accord, mais à partir du moment où tu fais un choix de rentrer Ajorc, tu fais un choix de passer en 4-4-2, mais reste offensif. Ne sors pas un milieu offensif ou sors un défenseur, sors un Cassis, sors un Lala, je ne sais pas, il y a 5 défenseurs. Mais si tu joues offensif, tu ne peux pas sortir Lala. Bien sûr que si. Qui c'est qui ramène le centre sur le premier but, le but de Saint-Etienne, c'est Cassis. Alors qu'il laisse Cassis ou qu'il laisse Lala, c'est pareil. Lala a quand même
plus gros apport offensif, je pense, quand même, par rapport à Cassie. Cassie, c'est vrai que bon, les matchs qu'il avait fait, il était quand même assez propre, on va dire, défensivement et offensivement, mais il apportait, je trouve, pas assez au niveau des montées. Il restait vraiment, c'était un match vraiment sobre. Après, là, au niveau offensif, je trouve quand même que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup. Quelques lacunes, effectivement, derrière, mais là, comparé à Cassie, je pense que là, il n'y a pas match, il n'y a pas duel. Corentin Kolb qui nous dit peut-être qu'on peut espérer que les dirigeants du Racing vont comprendre que Dimitri Lénard est indispensable et que lorsqu'on voit les coups de pied arrêtés tirés par Adrien Thomasson, ça va peut-être pousser les dirigeants strasbourgeois à signer. À offrir ce que Dimitri Lénard souhaite avoir. Mais encore une fois, on n'est pas dans les pipe-papiers. On a beau dire Dimitri Lénard veut 3 ans, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas s'il veut 200 000 euros, on n'en sait rien du tout, on ne va pas spéculer là-dessus. Un autre commentaire, messieurs, Jean-Claude Schwarz qui nous dit c'est la saison, elle est terminée pour le Racing Club Strasbourg dans la première partie de classement. D'accord ou pas avec ça? Je mets aujourd'hui un 3 sur le match, mais je reste quand même d'accord avec toi, Joe. Attends. Il dit qu'on va descendre en Ligue 2. Ah bah, monsieur s'emballe un peu trop. Non, je crois. Alors qu'après le match contre Bordeaux, on était en Ligue des Champions. Non, mais moi, je pense qu'on va tomber en Ligue 2. On a 4 points seulement après 3 journées, s'il vous plaît. Je pense que là, c'est fini. C'est une boutade. Pour moi, on peut, malgré le mauvais match, je suis plein d'espoir quand même, parce que, comme tu dis, il y a cette espèce de il y a ce petit plus qu'on a par rapport à l'année dernière. Il y a vraiment un petit plus dans le jeu. L'équipe est plus forte. Et quand je dis petit, ouais, comme tu viens de montrer, je ne sais pas si on a vu, il y a un petit grand plus. Il y a un grand plus, ouais. Effectivement, Maxime, ouais, tu voulais réagir. Il y a vraiment un bon espoir au niveau du maintien. Le gros plus, c'est surtout la solidité défensive. Avec un bon gardien, maintenant avec Carole encore arrière-gauche, une bonne défense centrale, c'est vraiment quand même la base du foot, on l'a vu avec l'équipe de France, hein, qui était quand même solide défensivement. Pour le maintien, franchement, j'ai vraiment bon espoir au vu du recrutement. Puis on va jouer les clubs à notre portée quand même, là c'était l'Olympique Lyonnais, on a joué la Saint-Etienne la semaine dernière, on a joué les Girondins de Bordeaux qui sont en Europa League. S'il vous plaît, soyez rassurez-moi quand même de ce côté-là. Je suis dépité quand je vois des commentaires comme ça. Ou alors, je sais pas, il n'y a pas un truc, Non, mais moi, je veux juste... Il n'y a pas une TS. Non, mais je me demande si c'est pas du fake. Qui nous dit Arsène Wenger serait l'homme de la situation. Non, mais je pense que c'est un fake. On va arrêter de relever ces commentaires-là. Voilà. C'est pas possible, on arrête tout. Allez, on arrête, on ferme l'émission. Voilà. Ciao tout le monde. Déjà, lorsqu'on a regardé le calendrier et qu'on avait Bordeaux, Saint-Etienne, enfin à Bordeaux, Saint-Etienne à domicile, à Lyon, ouais, tout à Lyon. Si on nous disait qu'il y avait 4 points après, à la sortie de ces 3 premières journées, je pense qu'on aurait été plus nombreux à signer. Content. On aurait été pas heureux à signer. J'allais rebondir sur ça, monsieur Ducap. Et simplement, juste pour dire, on va plus revenir dans le top 10. On y était aussi, à Monaco, là. C'était la 6e ou 7e journée, là, où ça a été pour moi le match le plus désastreux du Racing. À la sortie de l'automne, on est 7e. Justement, 9e. J'ai pris quelques petites notes là pendant que j'étais derrière. Il est beau. Attention, il est studieux, hein, c'est bon. Les 3 premiers matchs de l'année dernière, on va à Lyon, on reçoit Lille et on va à Montpellier. On a 4 points aussi. Oui, bien sûr. Sur championnat. Je suis totalement d'accord, effectivement, c'est... déjà le match de Nantes, puis le déplacement, donc tu m'as dit à Montpellier et on reçoit Amiens. Les 3 prochains matchs plutôt seront riches en enseignements, effectivement, dans un championnat dans lequel on a notre place. C'est-à-dire que même si Bordeaux risque d'être compliqué pour eux cette saison, mais Saint-Etienne et Lyon joueront un autre championnat que le nôtre. Merci en tout cas Angelo qui dit que le Racing terminera l'an 10 premier, alors on ne va pas être ni dans la dramaturgie, ni dans l'inverse, hein, ni s'emballer. Voilà, en tout cas, le Racing nous laisse quand même espérer de beaux jours devant. Déjà, si on gagne face au FC Nantes la semaine prochaine, on peut rebasculer de nouveau du bon côté du classement. Voilà, je pense que... Et puis, il n'est pas dit qu'on quitte la zone du top 10 demain, hein. C'est pas dit. Bah Nantes, ça risque d'être un match très intéressant, parce que si Nantes perd ce week-end, ils ont 0 points. ça va être la crise. Ils vont venir chez nous. Voilà, ça va être un match très intéressant, comme tous les prochains matchs qui vont suivre dans les prochains temps. Parfait, messieurs. On a fait le tour de la table. Je pense qu'on a fait le tour de la table. Est-ce qu'on a d'autres sujets encore? On a fait les notes. Est-ce qu'on peut avoir les notes de la régie, s'il vous plaît? Parce que quand même, ça m'intéresse, hein, d'avoir les notes de Mathieu. 5 pour Mathieu. Et Philippe, combien nous met Philippe? 4 pour Philippe à la régie, qui rejoint donc Maxime.
j'ai donné un 6, t'as donné un, je l'ai, un 3, c'est pour ça que je l'avais oublié celui-là. Mais ça fait à peu près une moyenne de Ça fait une moyenne de 4,5 sur ce match. N'oublions pas que le Racing Club de Strasbourg s'est déplacé au Groupama Stadium. Julien, c'est bon, tout va bien, c'est bon, t'as clôturé, bon. Le live écrit est fini. Tout est fini. Il n'y a plus de match. Non. Il n'y a pas de prolongation, pas de pénalty. Pas ce que je cherche. On arrête là. La semaine prochaine. La semaine prochaine, messieurs, on retrouve le multiplex côté Racing. Alors peut-être qu'on va avoir un peu plus d'animation, même si le match du Racing est pourri. Parce que c'est quand même ce qui fait peur, hein, quand vous avez un match pourri qui est que ça. Le multiplex samedi dernier. Oui, il a fait peur. Hein, pour la première période, il a fait peur. Hein. Il était compliqué. On se retrouve lundi soir pour le débrief, en compagnie de Jackie Duguay-Pérou et Cédric Canté, l'ancien joueur du Racing Club de Strasbourg, qui sera présent sur le plateau. Encore, je ne sais pas qui de l'équipe sera présent pour vous présenter. Es-tu présent, Maxime ? Peut-être. Peut-être. Ah oui, c'est vrai. Non, mais, peut-être. Maxime, il aime se faire désirer. Maxime, voilà. Maxime, il a envie qu'on vote. Mais on va mettre un numéro de téléphone par SMS, tu vois, pour que les gens votent oui ou non. Oui. Puis ça nous fera des sous en même temps. Donc, en plus, et pas le mien. Ça. Ah, parce qu'il nous faut des sous pour vivre. Oui, en plus. On rigole, bien évidemment. Enfin, qu'à moitié. Seb, merci d'avoir été présent. Merci à toi, Joe, de l'invitation. Merci, on te retrouve prochainement, peut-être pour Mouti. On verra. Il part en tournée dans toute la France à partir de demain. Donc, One Man Show. De toute façon, je pense qu'avec ce que je dis, je vais être interdit de... Ils vont arrêter mon abonnement. C'est Kenny Lala, il te voit, il te met un tacle par derrière. Il met un tacle derrière et... Et Loré, il fait la deuxième lame. C'est la double lame. Voilà, c'est vrai qu'il était défenseur, en plus, Thierry Loré. C'est vrai. Seb, t'étais aussi défenseur ? Ah, t'as jamais joué ? Non, je suis observateur. Tu fais du waterpolo, quoi ? Du waterpolo. Merci, Seb, en tout cas, d'avoir été avec nous. Max, c'était ta première, j'espère que ça t'a plu ? Effectivement, oui, c'était vraiment sympa. On peut lui signer un contrat. Hein. Tout à fait. Il est prêt à le contrat. C'est gentil. Voilà, il y a le chiffre du salaire avec un zéro. Ça te va ? Parfait, ça change pas d'habitude. Ah bah, c'est beau, ça, ils seront contents, les patrons. Merci beaucoup, Max, on te retrouve très prochainement sur Canal Racing. C'est super. Julien, merci. Merci à toi. Merci pour le live écrit. Samedi prochain, tu fais quoi ? T'as quelque chose de prévu ? Je suis en vacances. Non, mais tu suis le match, tu pourras faire le live écrit. On en discutera. Non, d'ailleurs, petite parenthèse très sérieuse, si vous êtes intéressé pour rejoindre l'équipe d'Alsasport et RCS Live, Canal Racing, n'hésitez pas à nous écrire sur la page en privé, peu importe, sur les messengers de tout le monde, vous pouvez nous écrire. On sera un plaisir de vous répondre. On est toujours à la recherche de consultants pour donner les avis, comme ce soir, Maxime, qu'on aura régulièrement. En tout cas, voilà, c'était un grand plaisir. Max ? Retrouve prochainement aussi, peut-être. Peut-être. Une sans loi. Est-ce qu'on arrivera à faire une fois une fin d'émission propre, nette? Ah, mais ça dépend de toi. Hein. Ah, ça dépend de moi. Donc tout repose sur moi. C'est ton émission, donc. D'accord. Ferme la porte. Proprement. Merci. Ça fait quand même 4 heures de direct. Hein. 4 heures de direct. Déjà, merci beaucoup. Merci du fond du cœur de la part de toute l'équipe Canal Racing. Déjà, moi, je tiens à remercier la partie technique parce que vous ne les voyez pas. Ils travaillent dans l'ombre. Et il y a un peu de lumière, mais c'est dans l'ombre parce que. Ils ne sont pas mis en avant et je peux vous garantir que 4 heures sur des écrans à appuyer sur des boutons. Tu l'as vu, hein, Max, c'était de l'autre côté. Vraiment, ouais. Nous, on a la chance. C'est vrai qu'on a les caméras, on a le beau côté du studio, mais voilà, j'aimerais bien qu'on les remercie chaleureusement. Non, mais c'est important. Ouais, c'est important parce qu'une équipe, c'est toute une équipe. Il n'y a pas que l'équipe titulaire. Il y a les remplaçants, il y a tout le monde. Maxime, t'es pas d'accord ? La régie. Est-ce que... La régie. Il y a encore du sang un peu d'ultra là-dedans. Hein. Un peu. Retrouvez une interview aussi sur Poca, vous pouvez aller faire un tour sur le site Poca. Petite interview, on fait un point sur le passé de Canal Racing. Tu fais un point. Je fais un point, mais sur l'équipe Canal Racing. La vedette, la star. Avec Romain. La légende. Que j'embrasse très fortement. The Hall of Fame. Il ne faut pas l'écouter, ça y est. En fait, c'est à partir d'une certaine heure. D'ailleurs, il y a Florian qui a dit, à partir de minuit, ouvre un bouton supplémentaire. Ça va. Il s'est tenu. Non, ne le fais pas, s'il te plaît, parce qu'il y a encore des enfants connectés. Il a aussi dit qu'il finissait torse nu si on tombe en Ligue 2, c'est ça ? Par rapport aux commentaires de... J'ai dit ça, moi ? Oui, t'as dit ça, si, si. Ah non. Ah si, si, Non, vous pouvez repasser le replay, je n'ai jamais dit ça. Ce qui est incroyable, c'est que... C'est incroyable quand même cette comment on appelle ça, une communauté, voilà, je trouvais plus long, cette communauté Canal Racing, elle est extraordinaire, hein. Parce qu'il y a encore du monde qui regarde alors qu'on dit plus rien. Alors qu'on dit on dit quand même de la grosse... Déjà, on disait pas grand chose d'intéressant pendant 4 heures, messieurs. Allez, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci Philippe, merci Julien qui est parti un peu plus tôt. Merci mon oreillette avec qui j'aurais passé une superbe soirée ce soir. Hein.
C'était vraiment agréable de l'avoir. Bah, ta femme va être jalouse, là. Merci tout le monde, je vous embrasse. Merci Mathieu qui nous a aussi, qui a rejoint la régie il y a quelques minutes. Bonsoir à toutes et tous, passez quand même un excellent week-end. Ça continue, l'information du Racing Club de Strasbourg, ça continue sur Canal Racing, l'information du sport alsacien sur Alsasport avec le retournoi. Salut tout le monde. Allez, ciao, salut tout le monde, bon week-end.